Je m'appelle Esteban Stutzmann, j'ai 18 ans, je fais du triathlon depuis maintenant 4 ans au triathlon club de Saint-Quentin en Yvelines. Je suis actuellement étudiant à l'INSA Centre-Val de Loire en école d'ingénieur au sein d'une section sport de haut niveau qui me permet de pouvoir dédoubler les années et de continuer le triathlon. Je m'entraîne actuellement 12 heures par semaine avec 2 heures de vélo, 6 heures de natation, 3 heures de course à pied ainsi qu'une heure de musculation. Mon point fort est le vélo et j'essaye de travailler la course à pied. Pour mon palmarès, en 2020, j'ai fait vice-champion de France cadet. Pour l'année future, j'espère renouveler un exploit sur les championnats de France en faisant un top 10. Et en 2024, je pense ne pas pouvoir être prêt à temps avec les études. Cependant, il est possible de se projeter plus loin, voire peut-être en 2028, pour une participation aux Jeux Olympiques de Los Angeles. La partie primordiale dans le triathlon est la transition. Pour réussir une bonne transition, il faut se dépêcher en restant lucide, car chaque faute peut être une perte de temps précieuse. Je suis actuellement au Triathlon Club de Saint-Quentin en Yvelines. C'est mon club de formation. Il me permet de bons entraînements grâce à un coach avec qui je peux échanger régulièrement. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être accompagné par mon père qui peut me suivre sur les entraînements. Il est lui aussi triathlète. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de faire du triathlon.